Eh ben les mecs, ça a été un plaisir de bosser avec vous. Ah ouais. C'est quoi ça? Quelque chose approche. Oh, tu tiens pas! Barrique porte! Bienvenue à huer sur merdier, les gars. Sergent, pourquoi est-ce qu'on finit toujours là où c'est le plus pourri? Merde, Junior, je vais vivre éternellement. Bonjour à tous et à toutes, c'est Oliver Pasma et on est parti pour la partie 11 du Let's Play de Conflit de Vietnam. Donc, Let's Play qui commence à faire pas mal de parties. Attention. Chargement un petit peu long. Ah, c'est bon. Hop. Curé à huer. 25 février 1968. Waouh, c'est magnifique. Ah merde, on se fait canarder. Les textures dignes d'une N64. C'est bon, nous sommes bien dans un jeu de conflit. De Pivotal Games. Alors, grenade fumigène rouge. Je pense que ça commence très bien. Alors attendez. Ah oui d'accord, non mais j'ai que dalle. Attendez, faut faire quoi dans cette mission? Moi pas qu'en blinde. USMC. Un poste de commandement de l'UMC... L'USMC se trouve quelque part au nord. L'un de ses personnels connaît peut-être l'emplacement de la 101e division parachutiste. Ouais. Allez go, ouais. Je sais pas, faut avancer. Faut faire quoi? Ah, faut aller là-dedans. Ok. Attendez, je vais regarder vite fait si le char il est où exactement. On va recharger la partie après. Ok, il y a un char là. Après, est-ce qu'on peut contourner? On est obligé de passer par là? Ah, on est obligé de passer par là, mais comment on fait là? Faut courir. C'est pas clair. Ok, là il y a une arme. Ok, il est déjà mort. Deux coups de balle au genou, il est mort. Ouais, bah attendez. Bon, on va recharger la partie. Ça m'a l'air un peu compliqué cette mission. Et je ne sais plus, est-ce que c'est la dernière ou est-ce que c'est l'avant-dernière? J'ai un doute. Il reste deux missions normalement. Enfin, soit deux missions, soit une mission. Ouais. Je crois que c'est deux missions. Eh ben les mecs, on va passer. Parce qu'on connaît déjà cette magnifique cutscene. Enfin, cinématique. C'est fait avec de l'image de synthèse, attention. C'est du précalculé. Du précalculé pas très beau, mais du précalculé quand même. Enfin, c'est fait avec la même méthode que Toy Story. Curé à huer. 25 février 1968. De retour. Return. On va peut-être tous se les faire les premiers là. Le flingue est plutôt efficace, hein. Je suis assez étonné. Par contre j'ai que dalle. Ok, et Junior il s'est barré où là? Ah il... Ah, il veut la jouer solo ce Junior. Et voilà. Nickel. Continuons. Évidemment, il faut y aller discrètement pour aller vers l'objectif. C'est cela stratégique. Voilà, je ne sais plus parler. Oh mais il est bloqué. Pourquoi? Il y a un mur invisible ou quoi là? Les gars. Attendez, je vois pas s'ils me voient. Ah bah ils m'ont vu.
Ah d'accord. Et comment on fait? Oh les gars. Oh là c'est destructible. C'est incroyable. Un décor destructible. Un décor qui évolue selon les situations. Mais c'est incredible. Nous sommes réellement dans un jeu conflict... Enfin, dans un jeu... Pivotal Games. Après, est-ce que je peux sauter par là? Ils peuvent pas sauter. Attendez, pourquoi je peux pas viser là? Ok, très bien. Je t'ai eu, merde! Bonjour, toi. Il pop comme ça devant, lui. Tout va bien. Ah, ils viennent d'où? Ils attendent tous derrière, là, dans... au coin du bâtiment, là. C'est pas clair. Alors, attendez, est-ce qu'on peut monter là-dessus? On peut pas y aller. Allez, mais comment on fait avec ce char? C'est impossible. Faut courir là-bas, mais il va forcément me shooter. C'est n'importe quoi. Attendez, je vais donner des équipements, là, des soins. Comment on fait déjà? Donner à Os, voilà. Donne 3, au cas où. Donner à Ragman. Et l'autre. Si j'y arrive. Voilà. C'est déjà un peu mieux. Je n'ai pas grand chose, on est en mode survival. C'est de la survie ce jeu. Faire gaffe. Est-ce que le char peut nous voir? Il nous voit de vachement loin quand même, c'est un peu abusé ça. Il y a un ennemi là-bas. Bon, je vais me le faire. Bon, il veut pas mourir. Allez, d'accord. Ah d'accord, 2 balles et on perd tout ça. Attendez, je suis bien en facile. Attendez, comment on peut voir la difficulté là? C'est pas possible. Option. Modifier le profil. C'est quoi? C'est modifier le profil? Non, c'est pas ça. Bon. Non, c'est quoi ça? Rafraîchissement. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah! Le mode 60 Hz permet d'obtenir une mise à jour plus rapide et plus lisse dès l'affichage, cependant tous les écrans de télévision n'acceptent. Oui, bah non. Moi ça ne marche pas avec mon adaptateur HDMI tout pourrave. Il fait que du 50 Hz. Donc non. Il ne vaut mieux pas que je m'aventure là-dedans. Si j'essaie de forcer en 60 Hz, ça va tout planter. Ouais, bon. Je sais pas trop quoi faire. L'autre il tire. Il y en a un là-bas. Quelque part là-bas. Il nous voit de là, lui. Aïe. Il nous voit de là. Après, faut peut-être attendre qu'il tire. Vas-y, tire. Je sais pas ce qu'il fout, là. Vas-y, tire. Bon, il est bugué. Ah, il y en a un, là. Ah, j'adore les ennemis qui pop. Il tire ou pas là? Bon, peut-être les grenades à fumigène. Hein. Comme ça, ils peuvent pas voir. Oh là, c'est risqué. Venez les gars, venez! Vain Dieu! Et qu'est-ce qu'il fout le dernier là? Attendez. Mais qu'est-ce qu'il branle lui? Alors, je ne vais pas être grossier. Qu'est-ce qu'il fiche? Ici. Alors attendez, je reprends Doc. Doc Gynéco. Il y a des trucs. On peut même pas ouvrir le meuble. Ah là 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 là. Ouais, bah, il a un peu plus de munitions. Alors, le mieux, c'est d'aller où, là? Parce qu'il faut se rapprocher là-bas, mais sachant qu'il y a le char. Et que je n'ai rien du tout pour me protéger, je n'ai pas de lance-roquettes.
falloir avancer doucement. Ah, j'ai été repéré par quelque chose. Purée, mes passes. Ah, et puis là, on peut pas monter. Il ne voit pas de là normalement. Alors je peux courir jusqu'à là-bas. Ah, il est vraiment proche le char. Pff, sachant qu'il nous loupe vraiment pas quand il tire cet enfoiros. Bon, bah, j'y vais quand même. Oh Rambo. Mon dieu. Il y en a un par là. Non? Bon. Montons. Pourquoi il monte pas? Okay, je vois à peine, mais j'ai l'impression que... ouais. C'est surélevé, je crois. Bon. De 2 cm, hein, il peut pas monter, il a quoi? Un de 20 cm en réalité. C'est compliqué. Ah, je l'ai tué là. Toujours pas. Il y en a deux. Oh la vie qu'on perd. Ils ont des armes assez violentes là. Ah, ah bah parfait. Par contre, ouais, comment avancer là? C'est bien, on est dans le bâtiment là, mais... Ah, il y a un autre petit passage en diagonale là-bas. Et je suis rentré où? Attendez, il y a des trucs là? Non. Ah, c'est un échange! Oh là là! C'est qui a presque plus de balles? Bah lui, ça va. Ah, c'est Doc. Oh bah lui aussi, tiens. Ah, il a plus rien lui. Comme ça. Peut-être avancer celui-là. On va courir. Avec ça à faire. Mais non, mais ne vise pas lui. C'est chaud. Ça passe. Allez, change. Voilà. AK-47. Il y a un peu de balle là-dedans. Ce qui serait pas mal... C'est quoi qui est par terre, là? C'est l'arme que j'ai déposée tout à l'heure. Bah, allez, prends-la. Bon, il veut pas. Alors, on va aller en face. Attendez, est-ce qu'il y a une ouverture là-dessus? Il y a rien. Je suis obligé de passer en force comme ça. Est-ce que c'est bien en diagonale? Attendez, pourquoi la flèche, elle est là? Ah, c'est là! Purée, c'est vachement haut. Ça n'a pas de sens que ça soit là. J'essaie de comprendre la carte, là. C'est pas clair, hein. Bon, on va essayer comme ça, hein. Ah, ok, c'est pas là. Attention au char! Ah purée! N'importe quoi cette mission encore. Ah mais le char, c'est impossible. Allez crève, 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 crève. Ah oui, oui, mais là c'est impossible les gars. Oula, il a été poussé juste après. Et le char il vient pas par là? Qu'est-ce qu'il fout là lui? Il y a des ennemis qui pop comme ça. Bon, faut aller où là? Schnell! Mais d'où? Ça m'a même pas touché, c'est ça le pire. Bah oui, mais lui il tire tout le temps. Ah là là! Faut aller où? Oh, je suis dans la mouise. Bon, j'y vais. Hein. Que ça à faire.
Ah, il m'a pas vu. Ah d'accord. Ok. Ah, il est chiant lui. Faut remonter par là, faut... Ouais mais s'ils repopent à chaque fois les chinois là. Ah ça m'énerve. Enfin les vietnamiens. Oh je m'en fous, moi je passe par là. De toute façon on est mort. Il y a l'autre qui bug là, super. Voilà, allez. Moi je pense que je vais mettre en vitesse rapide. Ça va se faire en 2 secondes. Cette mission a l'air tout pourrave en tout cas. Et vraiment nul. Eh ben, mecs. On te donne que dalle en munitions, on te met 40 000 ennemis, un char, tout va bien. Ouais non mais c'est bizarre que quand même ils aient régressé à ce point quoi, les Desert Storm étaient bien mieux quoi. Au moins à chaque mission dans Desert Storm on reprenait toutes nos munitions. Enfin je sais pas, c'est logique. Alors, en plus ils voient des collègues et tout, ils se disent pas ah, bon faut réapprovisionner le bousin. Non bah, non. Ils s'en fichent. C'est pas logique. C'est Doc. A chaque fois, ils sont à moitié morts à chaque début de mission. Pénible, ça. Bon, je les soigne tous, hein, c'est plus simple. Je vais faire donner, si je peux. Allez! Oh, les trois. Et je veux pas le soigner. Oh là là. Oh mais ce jeu il est nul. Ouais tant pis. Grenade à mange, grenade à fumigène russe. Ouais. On va faire comme ça, hein. Je vais essayer un truc. Bon, il balance pas très loin. Je chope des trucs. Ah, il veut plus rebalancer, bon tant pis. Allez vas-y. Ils viennent les autres. Allez venez, 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 venez. Bon. Bon l'autre il est un peu stupide. Oh ça il va se faire dézinguer, tant pis. Attention il y en a un là. C'est bon, il est mort. Y'a des munitions là-dedans? Y'a rien du tout. Oh putain, une grenade. Allez, 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 allez. Ah là, des fois, ils veulent pas mourir. Pourtant, on voit les gerbes de sang, mais... Non, ça ne leur fait rien. Pas de balle dans la tête, mais non. Il ne bronche pas, les gars. Ah, il faut tous les tuer, là. Ah, oui, oui. Il a plus de balles, lui. Putain, putain. Pas possible. Bon, même là, il y a 40 000 ennemis. Ah, 31, what? Qu'est-ce qu'il faisait? Pourquoi il a 31 lui d'un coup là? Non, je voulais pas soigner os. Ragman, Ragman. Voilà. Alors. Alors, venez, venez, venez.
Faudrait les emmener où là? Attendez, je suis hyper bien parti là, parce que je sais pas où il a chopé tout ça lui. Mais j'ai plein de trousses de soins. C'est un truc de fou. Alors ça peut partir très vite, mais... Ah, tirez. Il tire pas, bon. Ils ont de tension. Ou alors ils ont tous 0 balles, c'est pas possible. 28, 42. Bon. Oh là là là, et s'ils viennent à chaque fois ils se reproduisent, hein, purée. Catastrophe. Attendez, lui. Allez, chope cette arme. Ouais, c'est ça. Très bien. Alors là, faut sauvegarder. On est quand même plutôt bien parti. J'ai pas fait grand chose de la mission, mais... C'est tellement intense avec ce char, là. Char d'assaut de la mort. En plus, ils sont 10 000, quoi. J'ai l'impression qu'ils repopent à l'infini. Alors, là, va falloir essayer de foncer. Bon, déjà, Junior, faut qu'il se re-soigne encore. J'ai l'impression de faire que ça. Alors là... Il faut remonter par là. Bon, j'y vais. Je prends un risque de fou parce que j'ai sauvegardé. Il y a le char. Bon, ça passe. Attendez, on va monter là-dedans. On peut pas y aller. Faut aller où, là? En fait, faut passer sur le char, quoi. Je comprends pas. Faut carrément passer à côté du char. Pff, c'est n'importe quoi. Et là, il regarde où le char? Il est toujours là-bas. Peut-être faire ça. Il se tourne pas là. Est-ce qu'il voit vraiment devant là où il y a le canon? Ils disent vraiment de passer par là, c'est des fous. Ah ouais, un petit chemin là. Ah, c'est des fous. Passer derrière le char. Hein. S'ils me suivent les autres là. Je sais pas. Ah purée. C'est pas grave. Allons-y, il bug. Il bug, il vise l'autre. C'est pas grave. Attendez. Il faut aller où? Au pire, je vais à l'objectif direct. Qu'est-ce qui se passe? Attendez, j'aurais voulu un bazooka, lui. Allez, prends le bazooka. Il veut pas le prendre. Ah, oh, putain, il est chiant, lui. Voilà. Attendez. Je sais pas ce qu'il dit parce que là c'est trop le bordel. Je sais pas sur qui il tire là. Alors attendez. Ah oui les cœurs. Ah oui les cœurs, mais ça sert à quoi? J'ai qu'une balle. Ouais, je vais essayer de me le faire, non? Attention. Ah bon, c'est mort. Échec de la mission si tu veux. Charge est partie. Je sais pas comment faire là. Bon, je balance des fumigènes. À l'arrache. Normalement, si je balance des fumigènes, ça passe. Ils nous tirent pas dessus. Ben, normalement.
Donc c'est qui a les fumigènes? C'est lui, je crois. Hop, grenade fumigène rouge, et sinon la grenade à manche. Ouais. Ouais, c'est pas avec une grenade à manche qu'on va réussir à l'avoir, je pense. Attendez, c'est quoi ça par terre? Voyons. 71. C'est pas mal. C'est qui a un AK-47 enfin, une sorte d'AK-47, je crois que c'est ça. Ah non, c'est vraiment un AK-47. Attendez. C'est lui, non? Fusil d'assaut AK-47. Ah, il s'est resté à zéro. Bon. Je sais pas, ça a dû comptabiliser quand même. Bah on y va. Il nous voit pas là. Je voulais pas faire ça. Je ne voulais pas faire ça. Bon tant pis. Attendez, si je balance deux grenades là-dessus. Ça fait rien. Ça fait rien. Est-ce qu'y aller tout de suite, c'est pas plutôt plus simple. Ouais, plutôt y aller plus tout de suite, hein, sans fumigène ou je sais pas quoi. Peut-être mieux. Bon, d'ailleurs, l'AK-47, du coup, c'est lui. Je chope ça. Bah. C'est plus un AK-47 maintenant? What? Mais pourquoi ça a changé? Ah ok, non, c'est que Doc il avait chopé ça et il a déposé son AK-47, c'est ça. Tac, os. Voilà. Alors du coup... sur moi. Proche du char après pour pas qu'il nous tire dessus. Parce que le canon il sera trop proche. Allez, venez les gars, venez. Ils sont là ou... Mais ils avancent pas! Bon tant pis. Venez, 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 venez! Ah, ils sont débiles. On se parle. Venez, 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 venez. Mais ils sont... Ah. Bon, bah, faut y aller un par un. Faut y aller un par un, c'est génial. Non, je veux pas sauvegarder, je veux pas sauvegarder. Qu'est-ce que c'est que cette bêtise, là? J'ai mis chargé. Vendu. Ah, le menu qui rame. Attendez, hop. Hop. C'est parti. Bon alors, lui il faut qu'il... il est où Doc? Doc faut qu'il recharge, faut qu'il dépose ça. Allez hop, il met du temps. Et Os il est là. Ah. En premier on va faire avancer Os. Les autres on va les laisser là parce qu'ils sont tous un peu teubés. Et on va les faire avancer manuellement. Voilà. Ça sera plus simple. Ah, on passe par là. Ça passe. Elle va rester là. Attendez, je suis où là? Pourquoi ils ont bougé eux? Ah, c'est bon. Alors, attention. Ah, ils me visent, super. Comment on va faire là? Comment on va faire là? Il nous regarde. Pfff.
Ah oui, mais ils sont stupides, quoi. Pourquoi ils restent pas proches de moi? Bon, tant pis. Ça passe. Oh putain! Mais d'où il me voit là? Il me voit à travers le mur. Enfin, comme moi, hein, vu qu'il y a la caméra derrière. Enfin, faut recharger. Oh là là là, mais ça sert à rien ce passage. Juste à frustrer le joueur. Il fallait garder un bazooka avec 4 munitions? Fallait pas détruire les chars d'avant du coup? Ah oui. C'est quoi ce jeu, purée? Alors. Ah mais surtout, ils sont cons les autres. Pourquoi ils me suivent pas juste à côté? S'ils faisaient ça, là, ça aurait été bon. Voilà, mais c'est pour ça qu'il faut jouer à 4 dans ce jeu-là. Ah, c'est vraiment plus dur quand on joue tout seul, quoi. Alors. Il est là-bas. On va faire venir ces imbéciles. Et au pire, bah, je les bouge moi-même après. Hein. Je sais pas comment je vais faire, mais... De toute façon, le char, il bouge pas. Déjà, il est con d'aller là, lui. Là. Là. Alors, est-ce que en passant par derrière, ça passe? Bah là, il va me voir. Il passe devant. Ah, quoique. Vite, 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 vite. Courez, 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 courez. Ah, purée. Ah, ils sont là ou pas? Vite, 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 vite. Qu'est-ce qu'ils foutent? Mais venez. Purée. C'est chaud. Ah, oh, bah, sauvegarde. Non mais c'est pas possible, je suis obligé de sauvegarder là. Attendez, il y a ça. Après on a quand même tout ça à faire. Ouais mais... Pff, c'est tellement difficile là, je préfère sauvegarder. Donc, on verra hein, si jamais c'est mort. Facile entre parenthèses. On le répète. Évidemment. Alors, c'est enfin débarrassé de cette zone. Qu'est-ce qui se passe ici? Ok, il y a un lance-roquette. Ok, lui, je sais pas ce qu'il fout. Ah, c'est cool, il a pas échangé avec l'autre arme. Nickel, il l'a prise en plus. Le lance-roquette. Ramasser. Qu'est-ce que je peux faire là? On va tous les tuer. Bon, lui il meurt jamais. Ah oui, mais c'est les marrons, ils sont plus costauds. Ouais. Cette skin est plus costaud. Je me fais canarder par je sais pas quoi. Oh là là, le bordel! Et pourquoi il a soigné Junior? N'importe quoi. Il est à 40 mètres devant et il le soigne. Ah, attendez, on est où là? Ok, on monte par là. Faut redescendre. Attendez, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est moche? Où ils sont?
c'est bon. Ils sont nombreux là. Ils sont nombreux là. Tac. Je me concentre. Un fusil sniper. Un fusil sniper, j'ai quoi? Faudrait que ce soit Junior qui prenne ça. Il le prend en plus, non? Échanger. Oh là là. Je peux pas échanger ça. Bon, au pire, c'est Os qui le prend, on s'en fiche. Allez hop. Parce qu'il a plus de balles. Allez, avance. Junior, ok. Tac. Il y a un char, super. Super, il y a un char. Qu'est-ce que c'est que ça là? Ah, c'est un bug. Ok, j'ai cru qu'il y avait une ouverture là. Je comprends rien. C'est un méchant lui. Voilà. Ok, il y en a un derrière encore. Ils aiment bien attaquer par derrière ceux-là. Attendez, je soigne. Super, on se fait tirer par un espèce de lance-roquette ou je sais pas quoi. Go. Moi j'y vais. C'est quoi là-bas? AMB, qu'est-ce que c'est que ça? Alors lui il est là. Mais qu'est-ce qu'ils foutent les autres? Mais venez! Oh là ils sont paumés. Alors attendez. Fusil d'assaut, fusil d'assaut. Allez, tac. Je me soigne. Je sais pas par quoi on se fait toucher là. Il y en a qui ont des lance-roquettes, je crois. Allez, crève. En fait, faut les tuer ceux-là. Faut avoir ceux-là. Je fais que ça d'appuyer sur croix là. J'ai chopé l'arme ou pas? Échanger. Et il veut pas l'échanger. Bon, je sais pas pourquoi. C'est bugué. Ah, c'est bon. Ah mais non, il en change l'autre arme. Allez hop. Il meurt quand, je sais pas. Voilà, il est enfin mort. Voilà, c'est bon. Voilà, je vois pas là, faut l'aider lui là, faut. Je fais que dans mitrailler les ennemis là. Ok, super, à chaque fois on soigne Os. À croire que c'est lui qui a la plus grosse hitbox. Je sais pas. Allez hop. Qu'est-ce qu'il fait? Alors après on peut continuer là-bas. Hein, mais... Il faut faire quoi? USMC, je sais pas ce que c'est. Un poste de commandement de l'USMC se trouve quelque part au nord. L'un de ses personnels connaît peut-être l'emplacement de la 101e division parachutiste. C'est pour ça qu'ils pop d'un coup, c'est que. C'est des parachutistes, les gars. Sauf qu'on ne voit pas les parachutes parce que, voilà, pas assez de budget pour le jeu. Du coup, ils pop. Alors, ils peuvent être où? Peut-être là-dedans. C'est quoi là-dedans? Ce n'est pas clair. Ah, peut-être au bout là-bas. Je suis pas allé au bout là-bas. Ah, c'est le seul endroit. Sinon, après, je ne sais pas.
Fusil d'assaut, voyons, il y a combien de balles là-dessus? Ce n'est pas terrible, mais bon. On va faire avec. Alors attendez, faut aller là-bas. Là-bas. Voyez là, tac, tac. Ouh, nos ions. Moi, je me soigne. Ok. Y'a personne là. Oh, les dégâts! Les dégâts qu'ils font! Mais non, mais je veux pas changer de perso! Mon go. Bon, je pense qu'il faut parler à l'autre là, parce que c'est. Je ne vois pas ce qu'il faut faire sinon. Il repop à l'infini. On peut pas parler. Occupez-vous de ce putain d'ASV, vite ! C'est tout ? Faire quoi ? Bon, sinon, au pire, lui, il meurt pas. Hein. Ah, attendez ! C'est le char là-bas ? Attendez, je préfère quand même me cacher là. Vaut mieux qu'il se cache là. Attendez. Alors qu'est-ce que j'ai comme arme? C'est lui qui a le bazooka. Faut s'occuper de ça là. Ah non mais ils sont avec nous eux. Il est avec nous lui. On peut pas passer par là. Faire quoi? Faut avoir le char. Ah! Attendez, on avance. Clé à molette. Munition. Putain, y'a plein de trucs là. Bon, fumigène, ça on s'en fiche un peu. Grenade 40 MC, je sais pas quoi. Alors, ça c'est peut-être pour un lance-grenade. Hein. Ouais, bon, je suis pas fan du lance-grenade moi. C'est pas terrible. Ah, il y a le gros lance-roquette là, alors attendez. Faut qu'ils viennent. On les fait revenir ici. Et j'ai fait tout le tour de la map là. Ah non, ça continue encore là-bas. Je comprends pas, faut aller où après? Ah, en fait, il y a le char qui nous gêne là. Après, quand on aura réussi à faire à s'occuper des USMC, je sais pas ce que c'est, eh bien le char il va peut-être se barrer. On va peut-être pouvoir passer. On tient sa position. Allez, d'accord. Lui, il a plus rien. C'est un fusil sniper. Je n'ai pas vraiment besoin. Pff, y a que des armes de merde. Y a pas une vraie arme là. Bon, alors déjà, je prends le lance-roquette là. Et c'est des armes pour le lance-roquette, les 40 mm là. Non, je sais quoi. Non, c'est pas ça. Ça sert à quoi ces trucs là? C'est un truc qu'on balance ou quoi? Donnez à Doc. 40 mm, c'est quoi ce machin? Ah, c'est peut-être pour un lance-grenade, mais moi j'en ai pas de lance-grenade. Bon, là il y a ça. Là on va récupérer. Voilà, une balle pour le sniper, très bien. Ou deux, je sais pas. Ah, lance-grenade, il est là. Donc peut-être à os de prendre ça, je ne sais pas. Échanger contre quoi? Ah, ok. Attendez. Et lui, c'est échanger aussi. C'est un dilemme. Mais je sais pas, faut peut-être s'occuper. Car 15, c'est quoi ça, car 15? Pas de truc là. Bon, au pire, je passe dessus. Car 15, c'est pas ça. Attendez, c'est l'arme qui est à côté là.
Ah, c'est ça. Bah, attendez, je le prends. Ça s'échange contre quoi? Ah, ça va. Je vais prendre des munitions de car 15. Et là, lui, il a ça. Très bien, il l'échange et il a jeté quoi là? Ah, là, cette arme là. Oh, au pire, il a 8 balles de flingue. C'est ridicule. Ah, c'est une catastrophe. Ah, j'ai que dalle. Et ça, c'est quoi? C'est. Ouais, de toute façon, on peut pas le récupérer. Ok. Ok, ok, ok. Je ne vois même pas ce que. Je ne vois pas du tout ce que c'est. L'USMC. J'ai l'impression que ça canarde de moins là, peut-être que. Qu'il n'y a plus d'ennemis. Ah. Merci de votre aide là-bas. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, les gars? On a été coupé de notre unité, la 101ème. Ce serait bien si on pouvait savoir où elle est, sœur. Affirmatif. Aux dernières nouvelles, la 101ème était au nord de la rivière et attaquait le 5ème bataillon ANV près de la citadelle. Il y a une zone de posée à 500 mètres à l'est d'ici. Avec de la chance, un hélico pourra vous emmener là-bas. Ce Patton n'a plus d'équipage. Si vous en voulez, il est à vous. Mais attention, les rues qui mènent à l'héliport sont défendues par de l'infanterie et des chars ennemis. Bonne chance, soldats! Oh là là là, il y a des chars. Oh, let's go. C'est quoi? Faut aller là-dedans? Ah ouais, monter. Ouh là là, ça va être la galère, je le sens. Et du coup, faut monter par là. Comme ça. Et comment on tire avec le char? Oh là 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 là! Et comment on tire avec le char là? Le. Peut-être faire. Ah, ok. Et ça. Allez, tire, s'il te plaît. Mais purée, on a perdu un balle de vie, là. C'est une galère. Voilà, il va y en avoir, je pense. Attention. Ah, je préfère tirer au cas où. On voit tellement rien. Ça c'est du bien, wesh. Oh, y a ce bazooka. Je l'ai vu. Ah ouais, mais là je suis dans la merde. Il veut plus monter. Ah là là là. Ah, il fallait partir, oui. Ok. On fait comment quand il est en train de cramer avec ce JPEG en 2D, là? Flamme en 2D, là. Soigner Junior. Ah, c'est juste une écorchure et le char a explosé à côté. Ce n'est rien. Ah, attendez. Ah, il y a un char là-bas. Il y a un char là-bas. Ouais, bon, je continue. Ok. Lui, je peux l'avoir. Ah, j'ai entendu un gros bruit. Nouvel objectif bonus. Là, il y a un char qui va passer ou quoi là? Ouais.
Bah oui, mais bon, les gars. Si ça bug. Pourtant, je l'ai touché. C'est quoi qui a tiré là? Ah oui, d'accord, il est là-haut. C'est génial, ça se passe très bien. Ça se passe très bien. What? Ouais, bon, ok, ce passage-là est impossible sans char. Super, faut recommencer. J'adore. Oh purée, mais non! Oh vas-y, mais c'est quoi ce jeu? Oh non, mais là j'en peux plus là. Ah non, mais là je vais. J'abandonne. Je vais faire la prochaine partie. Ah là, j'abandonne, je pense. Ah, ça me saoule. Ah, c'est une catastrophe. Putain, j'ai ici depuis 2 heures, quoi. 1h23. Bon, en plus, je suis un peu claqué, là. J'avoue que je fais ça dans la semaine, c'est pas une bonne idée. Hein. Ce jeu dans la semaine, purée, c'est... Oh, c'est une torture. Oh bah je pense que ça va être compliqué. C'est complètement buggé, faut débugger le bousin en fait, faut essayer de combattre les bugs en fait, c'est ça. Pour réussir. Surtout qu'il y a une phase catastrophique au début. Franchement, je me demande même, enfin, je pense que je ferai une sauvegarde juste avant le char. Juste avant que la phase avec le char qu'on conduit. Je vais faire ça parce que je vais recommencer dans mon coin et... Parce que là c'est pas possible de se retaper la phase d'avant qui est complètement moisie. Non merci. Hein. Puis la phase du char du début... Ouais je sais pas. Parce que attendez. Si je fais charger la mission... On est bien d'accord qu'on peut pas faire une troisième sauvegarde. Il y a que 2 sauvegardes. Déjà 2 sauvegardes, c'est quand même une hérésie. Je veux bien, si le jeu était bien codé, 2 sauvegardes, très bien. Hein ? Et bon, s'il y a des bugs partout, c'est grisé. Bon, bah, je pense que je vais faire comme ça. Donc je vais couper à ce moment-là, mais vous, ça sera un instant après. Pour moi, ça sera quelques jours après. Hein. Parce que là, j'en peux plus de ce jeu. Ah non, mais je sais pas. Je sais pas si Hooper, lui, il aura la patience. Il aurait eu la patience de le faire d'une traite. Mais je crois que la grande évasion, il l'avait pas fait d'une traite. Bah non. Il avait fait 3 ou 4 premières parties en 2009. Et puis bien après, en 2015 déjà, c'est aussi vieux que ça. 2015, il me semble. C'était la suite de la Grande Évasion. Après, est-ce que lui, il a fait toutes les parties de 2009? Est-ce qu'il les a faites d'affilée, il me semble? Et 2015, il me semble aussi. Donc il est vraiment... Oh là là. Il est chaud. Après, moi, je peux pas faire ça, parce que vu que je tourne les vidéos dans la semaine et que je ne suis pas disponible le week-end, enfin que c'est compliqué. C'est... Ouais. Je ne peux pas faire énormément de parties d'affilée. Bon, c'est une ou deux parties. Hein. Par session. Et c'est compliqué. Alors, on avance vraiment... Je trouve qu'on avance vraiment doucement, mais trop doucement dans ce jeu. Alors, dans la prochaine partie, voilà. Enfin, la suite de cette partie, je veux dire. Prochaine partie pour moi. Eh bien, je pense que je vous dirai combien de missions il reste. Parce que je vais regarder dans mon coin, entre temps. Entre temps, est-ce que ça se dit? Entre les deux, voilà, on va dire. En off. Sur ce. A de suite, petite coupure, enfin, grosse coupure, à de suite. Et on se retrouve devant le char. Alors pour moi ça fait 2 jours,
Pour vous, ça fait quelques secondes. Let's go. On va monter. Et là, maintenant, j'ai une sauvegarde propre. Hein. Et j'ai droit à une autre sauvegarde. Hein. Regardez, hop, sauvegarder la partie encore. Sachant que j'ai mis quand même une demi-heure à arriver jusqu'ici. Un peu moins longtemps que la vidéo précédemment, mais... Mais quand même, en off, j'ai mis un peu de temps. Alors, comment ça marche déjà? Ça avance très vite. Ah, c'est bon. Attention. Ah, ça va, ils se sont tirés dessus. C'est magnifique. Ça commence bien pour nous. Alors, pourquoi il avance pas, par contre? C'est un véritable problème. Oui, pourquoi il avance pas, ce con? C'est un bug ou... Ah, c'est bon, il avance. Ouais, voilà. Et ils sont morts, hein? Ah, j'ai galéré. Et pourquoi il avance plus, ce con? Et voilà, comme ça, hop, hop. Parce qu'on était sur le côté. Ouais, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Ah, ça part en cacahuète. Allez, c'est le char qui a tiré, là. Ah, des fois, il tire. Bon, là, faut descendre avec Doc. Et on va voir comment ça marche, là, la réparation. Est-ce que ça utilise la clé à molette? Ou alors, après, on la garde, quand même, la clé à molette. On fait réparer. Ah, nickel. Ah, on peut la réutiliser quand on veut. C'est pas, c'est illimité, quoi, la clé à molette. Bon, nickel. Il en reste encore un. On les écrase. Ah, c'est là. Ouais, on peut pas les choper. Ah là. Ah, de Dieu. Elle est pas très efficace, cette mitrailleuse. Ah, j'avais bien mieux joué la première fois, c'est ça qui est fou. Faut la jouer prudence. Alors attendez, comment ça marche? Le canon, c'est là. Là, je sais qu'il y en a un qui se cache par là-bas. On va se faire le char, qui est là-bas. Par contre, lui, il peut nous one-shot. Hein. Enfin, il nous one-shot direct, le char. Hein. Donc, faire attention. Boom. Enfin, comme nous, on le one-shot aussi. Faut savoir qu'un lance-roquette d'un ennemi... Enfin, une roquette d'un ennemi classique... Eh bien, on perd une bonne partie de notre vie. Bon, on n'est pas mort. La moitié à peu près. Mais un char par contre, quand il nous shoot dedans, bon, on est mort du premier coup. Comme nous, on peut les tuer du premier coup aussi. Donc là, normalement, il va y avoir un char à droite. En fait, faut attendre. Faut attendre, sinon le viseur va faire n'importe quoi. Donc j'ai compris le truc. Ah, c'est chaud là! Elle nous a pas touché. Ah, nickel. Attention ici, il va y avoir la cavalerie. C'est un char ou quoi là-bas? Parce que j'ai du mal à voir. C'est bizarre, notre char fume, mais la barre de vie est au max. Ah, purée! Ah, c'est le char qui a tiré. Ah, nickel. Il y a des RPG partout. Ah, attention à les mitrailleuses, hein, parce que s'il nous reste plus de munitions, c'est un peu. Ok, alors là, je crois qu'il y a un char. Attendez, on va regarder de plus près. Ok, il est là. Bon. Charge la partie. Attention, on se retrouve ici, hop. L'hélico qui vient de passer là. RPG. Attention, cible automatique devant. Il y a des RPG un peu partout. Là je vois rien du tout, je sais pas sur quoi je tire. Bon, faut utiliser ça peut-être. Ça nous dit de viser là.
passe pas grand chose. Oh là là, c'était chaud là. Oh, ça passe, ça passe. On le tue, voilà. Nickel. Par contre, il risque d'avoir un char. Là. Allez, on va voir. De quel côté, je crois. Ah, il y en a un juste là. Juste là. Que faire? On est proche quand même. Oh, attention! C'est bon! Parfait. Objectif bonus accompli. Attendez, c'était quoi l'objectif bonus? J'ai pas compris. Ah, USMC. Le poste de commandement se trouve. Ah non, c'est pas ça. Tueur de char. Les réguliers NV contrôlent les rues de U. A l'aide de chars, leur destruction brisera les reins de la résistance de l'armée nord-vietnamienne. On les a tous défoncés, les chars? Bah, c'est nickel, ça. Moins de stress. J'enraye un peu la carrosserie. Il est où le RPG là? Ah, il est là. Il est là. Comment l'avoir? Ah, d'accord. Mais tire! Elle le tue pas là? Oh là là, mais Lia, elle est toute pourrave. Bon, je suis obligé de prendre la mitrailleuse parce qu'il fait n'importe quoi. Voilà. RPG là, voilà. Oh, attention. Celui-là, là. Ça, c'est parfait. Allez, allez, allez. Ah, ils veulent pas mourir. Ah. Alors, on les bute tous. C'est bon? On est obligé de passer ici. Attendez, on a fait ça. Ah, il nous reste pas grand chose à faire. Hein. Une petite sauvegarde. Une petite sauvegarde. Allez. C'était un peu chaud quand même. Hop. Allez, 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 allez. Temps de chargement de folie. Allez, on descend du char. C'est parti. Alors, j'ai quoi avec lui déjà? Ah, purée. RPG. Des munitions? Ah oui, sérieux. C'est pas mal, ça. Mais attention, là. Bon, l'hélico, j'ai pas trop compris. Il est avec nous. Bah oui, c'est l'hélico qui doit nous récupérer. Si j'ai bien compris. Alors attendez, vaut mieux garder le RPG pour les prochaines missions. Ah ouais, c'est là-bas. Y'a pas d'ennemis là? Bien joué, nickel. Les mecs. C'était un peu chaud ici jusqu'à votre arrivée. C'était un peu chaud ici jusqu'à votre arrivée. Et du coup, on fait quoi là? Tour de char, percée, survie. Bah, j'y suis, faites en sorte que Ragman survive. L'héliport se trouve quelque part au sud-ouest. Pour le rejoindre, vous devrez traverser un secteur défendu par des chars ennemis, tout ça. Bon, ça doit être bon. Peut-être qu'il faut se mettre à côté. C'est peut-être parce qu'il peut pas atterrir. Qui nous fait l'hélico. C'est pas clair. Hein. Ce n'est pas bien clair. Ah bah il se dépose, c'est bon. Un peu d'alcool. Un peu de gnoule. Ah, c'est bon là? Qu'est-ce qu'il fait? Ah, c'est bon. C'était quoi cette fin?
J'ai pas compris. Bah nickel. En plus on a récupéré un RPG à la fin. Faut que j'aurais pu revenir en arrière et récupérer d'autres RPG. Parce qu'il y en avait pas mal. Ouais, tant pis. Tant pis. Ça va être plus compliqué pour la suite, quoi. Fusil de combat, grenade, mitrailleuse. Ces mitrailleuses, c'est pas mal. Attends, comment on dépense déjà? Voilà. C'est tellement pas intuitif. C'est ça. Bon, mitrailleuse à fond, hein. Parce qu'il aura pas mal de mitrailleuses aussi. Un AK-47, c'est compté comme une mitrailleuse. Tireur d'élite, lui, s'en fiche. C'est normal. Pas de sniper. Ça sert pas à grand chose, le sniper, dans le jeu. On peut faire un petit coup de lance-roquette en plus. Tiens, bah lui... vu qu'il a pas mal de RPG, je sais pas. Est-ce que ça va changer grand chose? Est-ce que ça va changer quelque chose? Fusil de combat. Je sais pas. Ah, il est complet lui. À part en tireur d'élite, il est un peu pourri. Et puis mécanisme piège, bon, ça on s'en fiche un peu. Ouais, on continue comme ça. Petite sauvegarde. Il me semble qu'on est à la partie 11 là. Il nous reste deux missions. Voilà. J'ai oublié de le dire. Si je l'ai regardé entre temps. Il nous reste encore deux missions. Le jeu est sacrément long quand même. Il est sacrément long le bougre. Ah, au moins, on en a pour notre argent, c'est très bien. Alors, je sais pas du tout combien il coûtait à l'époque neuf. Sauvegarde terminée. En tout cas, ça dure bien plus longtemps qu'un Call of Duty de base. C'est déjà ça. Mais pour un jeu de l'époque, quand même, c'est assez étonnant. Un jeu de guerre de l'époque. Parce que les jeux de guerre à l'époque, les Medal of Honor, là, par exemple, ça durait pas plus de 3-4 heures. Hein. Ben, il semble. C'est vraiment pas long. Il y avait juste, voilà, le Far Cry et Half-Life 2. C'est deux grands jeux qui ont une durée de vie beaucoup plus longue. Half-Life 2 surtout. Je crois qu'Half-Life 2 il dure quasiment 15 heures. Facile, hein. 15-20 heures. Far Cry c'est à peu près 10-15 heures. Enfin, quand on connaît pas le jeu, évidemment. Mais voilà, du coup, on s'est plutôt bien débrouillé vers la fin. Alors, je sais pas du tout combien de temps ça va faire, hein, la vidéo. Peut-être une heure à peu près. Pour que cette mission, c'est vachement long quand même. C'est vachement long. Mais j'essaye de ne pas trop couper non plus les séquences, parce que bon, c'est... Faut montrer un peu que... Qu'on galère. C'est dur. Même en facile. Sur ce, je vous dis à la revoyure pour de nouvelles aventures. Et on se retrouve pour la suite du Let's Play Conflict Vietnam.